Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est un Floustube. Oui voilà, ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait. J'en ai pas fait beaucoup non plus. L'année dernière j'ai dû en faire deux ou trois peut-être seulement. Et donc là j'ai décidé de vous refaire un Floustube. Ça va être un peu spécial broderie créateur. Voilà. Ça change pas, hein. Alors d'abord pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, il y en a encore hein, qui ne me connaissent pas, moi c'est Edith, je suis dans le nord de la France, près de la frontière belge, à côté de Valenciennes si vous connaissez. Voilà, je suis mariée, j'ai trois enfants, j'ai plein de petits-enfants, je crois 17, je calcule, je crois que j'ai 17 petits-enfants, oui. Non, 18 maintenant. Oh, je ne sais plus, il y en a trop. Mon mari est à la retraite, moi je suis en invalidité, donc ben, j'ai du temps, voilà. Et la star de la chaîne Fifille, voilà. Avec ses copains, les toutous, mais là ils font dodo, donc je peux pas vous les montrer. Alors voilà. Donc je fais un peu ce flou-stu parce que j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Bon, j'ai toujours fait du point-compté depuis très jeune. J'ai toujours fait du point-compté. J'ai toujours fait aussi des broderies de créateurs. Voilà, j'en ai fait quelques-unes de moi, puisque pendant un moment, j'ai créé moi-même des broderies. D'ailleurs, en ce moment, il y a un sale qui est commencé ben, aujourd'hui, puisqu'on est le 1er février, qui a commencé aujourd'hui avec une de mes créations personnelles sur mon groupe de broderies. Voilà. L'adresse est en dessous. Donc voilà. Là, bon, c'est vrai que j'ai fait de la... J'en fais encore. Puisque je vais terminer les broderies que j'ai commencées. J'ai commencé à faire de la broderie estampée quand on a commencé à me proposer des partenariats. Et c'est vrai que bon, je ne faisais pas trop attention. Voilà, j'en ai brodé quelques-unes. Mais ça a fait tilt un peu dans ma tête. Je me suis quand même aperçue, hein, je ne suis pas aveugle, que 4, au moins 90% des broderies sur ces sites-là sont des broderies, ce sont des copies. Voilà, des copies, des vols même, parce que bon, ils ne demandent pas la permission au créateur. Donc voilà, je commence un petit peu à retourner vers mes anciennes amours, c'est-à-dire le point-compté, et à réfléchir et à choisir. C'est vrai que c'est ce que je préfère. L'estampé, ça me fait plus penser au canevas. Voilà, je faisais du canevas aussi avant, hein, donc. Mais des fois, suivant la qualité de la toile, de l'impression. Ben ça rend pas bien, c'est pas top top top. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai en ce moment, ce que je suis en train de faire en ce moment, mes projets qui commencent à se préparer. Je vais vous montrer mon petit coin broderie ici. Donc j'ai fait des photos cet après-midi, je les ai montrées sur le groupe. Donc, ceux qui l'ont déjà vu en photo, ben, vous savez ce que je vais montrer. Et je vais vous montrer également, je crois que j'en ai une ou deux. Ouais, je ne sais plus combien j'en ai, mais enfin, j'en ai quelques-unes que je n'ai pas encore imprimées, ni rien, ni préparées, et que j'aimerais bien faire également. Bon, la broderie, c'est bien parce que ça.
zen, c'est comme le tricot, hein. On est bien, on est concentré. Et point compté, bien sûr, on est encore plus concentré parce que bah, il faut compter ses points. Mais une fois qu'on a l'habitude, ça va très bien, hein. Il faut pas vous en faire un monde. Pour ceux qui ne connaissent pas le point compté, il n'y a vraiment rien de compliqué. Si vous savez compter, si vous savez lire une grille, ben voilà, vous savez faire du point compté. Si vous voulez vous lancer, par exemple, prenez une création facile, une petite, et puis exercez-vous comme ça, et puis vous verrez que vous aimerez le point compté. Alors, je vous montre mon petit coin. Donc, je vais vous bouger un peu. Donc là, c'est mon fauteuil. Vous voyez, avec ma couverture que j'ai fait l'année dernière. Et ça, c'est un châle que j'ai fait l'année dernière ici aussi. Je ne vous l'ai pas encore montré. Quand je ferai mon podcast tricot, je vous montrerai. Ma lamploupe, ici, indispensable pour moi, sinon je ne peux pas broder. Elle a déjà de l'âge. Ça doit faire 6-7 ans. 6, ouais. 6-7 ans que je l'ai. Donc, elle va toujours bien. Alors, par contre, le défaut de cette lampe-là, c'est que ça, le jour que c'est grillé, ben, la lampe est jetable. Mais bon, il faut que je regarde, parce qu'on a des vis, là. Et démonter le capot, essayer de récupérer le LED. Je sais pas, voir, à moins que la loupe soit fixé avec le LED, mais normalement ça s'est vendu chez Maison du Canevas, mais c'est une lampe jetable et ça par les temps qui courent, c'est vraiment dommage. J'espère qu'ils vont pouvoir un jour refaire la même lampe, mais avec ça qui se démonte, enfin, et surtout que l'on puisse retrouver le cercle lumineux de LED. Bon, voilà. Donc ça, voilà mon petit coin où je me mets avec Fifi, hein, parce que je vous montre, elle est là. Alors, hop. Je vais essayer de vous baisser un petit peu. Et ici, donc, vous verrez plus ma tête, mais c'est pas grave. Voilà. Ici, vous avez tout ce dont j'ai besoin pour faire la broderie. Donc, un petit toutou. Voilà. C'est pas cher. Jerry, vous ne le verrez pas, il est enfoui dans. Ah, si, vous verrez ses fesses. Alors, voilà. Il est là. Excusez-moi, je vous donne le mal de mer. Bon, bah, Fifi nous abandonne. Alors, ici, je vous dis, j'ai tout mon nécessaire. Donc, j'ai tout à portée de main, presque, puisque j'ai encore deux, trois petites choses, mais qui ne me servent pas habituellement, mais qui sont dans des autres tiroirs. D'abord, ici. Ça, c'est, vous l'aviez vu, hein, je vous l'avais présenté. C'est une pochette, un sac. C'est plastifié. Et on peut y ranger nos broderies. Donc moi, là-dedans, j'ai mes broderies estampées du moment que je terminerai, bien sûr. Donc, ça, c'est ma celtique de Noël. Donc voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Alors, je vous montre déjà cela, comme ça après on n'en parle plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah, celui-là par contre je l'aime beaucoup. C'est ma tête de cheval. Alors lui est bien avancé. J'aurais bien terminé. Il
J'adore. J'adore vraiment. Il y a plus grand-chose, hein. Si je me mets dessus une semaine, je pense qu'il sera terminé. Voilà. Je mets mes petites pinces. Ensuite. Ah, bah ça, c'est le sale du Nouvel An. Donc celui-là va durer pendant un an. Voilà, donc il n'y a qu'un carré de fait, c'est normal, puisque c'est un sale que j'organise qui va durer un an. Et il y a 12 cases. Bon là, vous les verrez peut-être un peu mieux là, mais c'est pas sûr. Et donc, ici en janvier, on a fait celle-ci. Et en février, donc ce mois-ci, si je ne me trompe pas, ça va être ici. Voilà. Donc ça va être fait sur une année. Voilà. Donc tranquillou. Et je vous dis, elles sont commencées, donc je les finis. Hein. Ensuite, la dernière. Alors celle-là, elle va être longue à finir, hein, par contre. Là, ça fait un petit moment que je n'ai pas été dessus. Voilà. C'est l'égyptienne avec les bébés léopards. Mais bon, celle-là, elle est très grande à faire, vous voyez. Donc là, il y a encore du boulot, hein, pour un bon moment. Mais je la fais de temps en temps, un petit bout. Voilà. Donc, toutes mes estampées en cours sont dans cette pochette. Et j'ai une estampe, j'en ai une ou deux là. Je crois que j'en ai une. Mais c'est pareil, c'est une que je fais tous les mois et que je termine tous les mois. C'est la fleur du mois. Voilà. Donc ça, c'est pareil, je les continue. Alors par contre, pour la petite histoire, les fleurs du mois, je l'ai montré sur mon groupe. J'ai trouvé la créatrice sur Internet. Donc, normalement, ça se fait en un seul bloc. Et le plus rigolo de l'histoire, si on peut dire ça, c'est que la créatrice les a mis gratuits sur son site. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'espère ne pas l'oublier. Donc, les fleurs du mois, bah, vous pouvez les avoir gratuitement, directement sur le site de la créatrice. Voilà. J'en dis pas plus, vous avez compris. Donc, ici, j'ai ma petite valise. Oui, un peu de tout dedans. Il y a des ciseaux, des mètres, des anneaux. Bon, j'ai quelque chose, quelques petites choses aussi pour le tricot dedans, hein. C'est ma petite mallette pour tout. Voilà, j'ai mon démonte point. Oh, comment ça s'appelle ça? Coupe-fil. Non, pas coupe-fil. Ah bah zut, j'ai oublié le nom. Bon, enfin, vous avez compris. Hop. Voilà, je vais la mettre par terre un petit peu. Ça, c'est ma tablette. Je vais d'ailleurs regarder si je l'ai allumée. Oui, parce que j'ai des choses à vous montrer après. Ici, on va avoir une première boîte. Voilà, et cette boîte correspond à une seule broderie. Voilà. Là, il manque quelques bobines parce que je les ai empruntées pour une autre créa. Voilà. Donc, il y a 90 couleurs, si je ne me trompe pas. Et ça, c'est pour un HAED. Voilà. C'est pour cet HAED ici. Voilà, un perroquet. Alors, celui-là est gratuit, hein, sur le site. Et donc, le voici.
Il y a de quoi faire, hein, la toile. Et voilà, bon, ça fait un moment qu'il est commencé, hein, déjà. Mais là, je suis en train de m'y remettre un petit peu à la fois. Alors, je ne. Bon, là, il y a un peu de fil en parking, mais après, il n'y en aura plus. Parce qu'en fin de compte, le parking, j'aime pas. Ça mélange les fils, ça me. Donc, je préfère tirer un fil et puis le broder jusqu'à ce qu'il soit terminé. Et du coup, ça me fait, vous voyez, ça me fait ça. Voilà, là, je suis en plein. Souvent, les HAED, les filles viennent ici en angle, comme ça, ou alors tout droit, et puis tant que c'est pas fini, tant que la rangée n'est pas finie, elle continue. Moi, non. Je le fais un peu à l'arrache, si on veut. Mais ça va. Alors, j'ai une erreur dedans que je suis en train de rattraper. C'est pour ça aussi que j'ai commencé la tête du perroquet. C'est qu'ici, là, vers le milieu, j'ai oublié une croix. Ça fait que j'ai une ligne complète de décalage. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai arrêté le verre pour l'instant. Et j'ai attaqué le perroquet. Et comme ça, quand la tête du perroquet sera bien, bien faite, je vais reprendre tout doucement, mais en remontant. Et ça se verra pas. Voilà. Je n'avais pas le courage de tout démonter. Il aurait fallu que je démonte, mais alors tout ça, pour rattraper une croix. Donc, j'ai dit non. Après, alors ça c'était mon HAED. Celui-là c'est bien ça à 90 couleurs. Oui, c'était bien 90 couleurs. Ici, donc ça c'est justement ma création perso. Moi, je l'ai commencé. J'avais déjà fait un sale l'année dernière. Et ça, à chaque fois, je suis en train de me baisser quand même. Voilà. J'avais déjà fait le même sale pour cette création l'année dernière. Et moi, je ne l'ai pas terminé. D'autres filles ne l'ont pas encore terminé. De toute façon, moi, quand j'organisais ça, je dis, il n'y a pas de pression. Vous faites à la vitesse que vous pouvez. Et du coup, je vais le reprendre cette année pour le continuer. Bon, alors je vous montre où j'en suis. Voilà. Donc voilà ce qui est déjà fait, mais bon, c'est alors environ, hein. Il y a 350 points sur 350, mais un peu moins. J'ai plus le chiffre en tête exactement, mais voilà. Donc c'est déjà une belle broderie. Alors je ne sais plus le nom de la toile, mais vous voyez, c'est une toile marbrée. C'est de l'Aïda, mais ça doit être du vintage crème, je crois, un truc comme ça. Bon, dedans je vous montre pas parce qu'il y a ma grille. Malgré que je la donne gratuitement pendant les salles, je ne veux pas quand même qu'elle traîne sur Internet. Alors ça, c'est une que je vais reprendre pour continuer. Ça, c'est des projets, je vais vous les montrer après. Celle-là, vous l'avez déjà vue à mon dernier floustu, je pense. Et je vous avais dit, il ne reste plus grand-chose, je vais le finir. J'ai pas fini. Je ne l'ai toujours pas fini. Ah, j'ai eu peur, je crois qu'il y avait une tache. Alors, c'est une toile Aïda aussi. Et donc, voilà. Donc là, elle est marbrée comme l'autre, mais marbrée gris. Voilà. Alors, normalement, c'est un monochrome. Voilà. C'est une création de Isabelle Accourt-Vautier. Isabelle Vautier, on connaît mieux sous ce nom-là. Voilà. Et vous voyez, c'était un monochrome.
Mais moi, j'ai choisi de le faire en deux couleurs. Je trouvais que c'était plus joli. Donc là, c'est une toile du 7 ou du 8. Je pense plus que c'est plus à du 8. Donc pareil, il faut que je me mette dessus pour la terminer une bonne fois pour toutes. Parce qu'il ne me reste pas grand-chose. Hein. Alors celle-là, il y a une erreur aussi, je l'avais dit l'année dernière. Mais je n'ai pas rattrapé l'erreur. Donc je suis en train de me rattraper avec les motifs. C'est pareil, de toute façon, vous ne voyez pas hein, d'erreur. Si vous voulez, alors, hop, ici, là, non, si je ne vous montre pas le bon côté, ça n'ira pas. Vous voyez, la petite fille descend plus que là. Ça, normalement, ça doit être en dessous de la petite fille. Donc, j'ai dit, je ne démontrerai pas. J'ai horreur de démonter de toute façon, sauf quand je le vois tout de suite et que j'ai que 2-3 points à démonter. Je vais faire comme un encadrement tout le tour au point de croix ou au point arrière, où je ferai les deux, point de croix, point arrière. Et puis comme ça, ni vu ni connu. Et puis ce sera ma petite touche perso. Voilà. Ça y est, il y a Fifi qui fait la fofolle. Alors, elle fait la fofolle comme ça, elle fait vous, vous, vous. Vous savez quand? Quand elle était dans sa litière. Ça y est, elle est folle, elle vient de repasser. Donc voilà. Donc ça, c'est la collection Bebop Lola. Bebop Lola, laisse parler ton cœur. Voilà. Donc, ça, c'est terminé. Alors, ça, je vais le mettre là, parce que je vais vous montrer après. Alors, en ce moment, ce que je suis en train de faire aussi, donc ça, je viens de vous montrer, ça, c'est, je ne vous montre pas, parce que je dois le démonter entièrement, là, par contre. Mais je viens de le commencer, donc ça va. Ici. Donc, vous voyez, je mets dans mes petites pochettes comme ça. Celles-là, je les ai eues chez Amazon. Donc, j'ai commencé cette semaine une nouvelle création, voilà, de Lily Point, de jus de carotte. J'ai pas pu attendre. Non, 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 j'ai pas pu attendre. J'ai commencé tout de suite. Ça m'embête comme ça, voilà. J'ai pas pu attendre. Je l'ai déjà commencé. Alors... elle est faite sur de l'Aïda 8. Voilà. Et on voit déjà la première carotte. Donc la toile est couleur blanc cassé. Et cru, blanc cassé. Alors, c'est. Bon, j'ai repris les tambours. J'ai dit parce que pour les points comptés, pour certains points comptés, vaut mieux que ce soit sur tambour. Voilà. Mais les tambours comme ça, j'aime pas beaucoup. Ceux-là, ils viennent de chez Zeman. Et je suis toujours en train de retirer sur ma toile. J'ai beau serrer la vis, hein, ça change rien. Mais voilà. Donc, j'aime beaucoup ce petit début de carotte. Donc, ça, c'est Lily Point. J'ai déjà fait plusieurs de chez Lily Point. J'aime beaucoup. Et j'en ai un autre de prévu. Mais bon, celui-là, j'attendrai un peu. Commencer, mais j'ai la grille depuis longtemps de l'autre. Voilà, et donc dedans, vous voyez, je mets toutes mes bobines avec mes fils. Ah, excusez-moi, je m'en mêle les pinceaux. Elles sont pratiques, mais pas assez grandes. Il faudrait que je me fais des grandes couchettes. Alors. Voilà. Ensuite, ça là, je vais vous montrer après ici. Voilà, un petit gnome. Alors, son nom, je vais vous le donner.
Alors, c'est la créatrice Mia, c'est une Ukrainienne que vous retrouverez sur Etsy. Pareil, de toute façon, tout ce dont je vais vous parler, je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Alors, que je vous donne le nom exact de cette broderie. Alors, c'est en anglais. Pumpkin Spice Gnome. Donc le voilà. Et là, lui, j'ai déjà bien avancé. Donc c'est une petite broderie. Voilà. Donc là, elle est toute petite. Mais la voici. Elle fait des choses merveilleuses. J'adore ce qu'elle fait. Là, j'ai pris deux gris chez elle, donc en PDF. Donc celle-ci et une autre que je vais vous montrer après, mais on voudrait tout acheter chez elle. Elle et puis une autre ukrainienne, mais les ukrainiennes font des... Bon, les françaises aussi, hein. Mais les ukrainiennes font des créations, mais alors splendides, vraiment très très belles. Et bon, et puis en ce moment, je pense que c'est bien de les aider un petit peu. Aussi en s'achetant de temps en temps une petite grille. Voilà. En plus, là, bon, c'est en promo en ce moment. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas s'il y a encore des promos. Alors, Etsy, il est. Non, pas là. Je vais trop vite sur ma tablette. Alors, est-ce que c'est encore en promo? Oui. Toutes les grilles donc de Mia sur Etsy sont encore à 50%. Donc, n'hésitez pas. Je crois que j'irai encore. ensuite. Non, ça je vais vous montrer. Ah, ça je vous l'ai montré, mais c'est voilà celui que je vous ai montré tout à l'heure en estampé, c'est le sale du nouvel an. Voilà, donc moi j'ai fait ici déjà. Voilà ce petit carré là. Vous voyez, il y a encore du boulot hein, dessus, et j'ai un an pour le faire. Voilà. Bon, ça c'est le cheval, donc vous l'avez vu. Et voilà. Alors, celle-là, alors je l'ai commencé hier, mais je l'ai mis en place sur mon groupe de broderie cette semaine. Je suis tombée dessus par hasard. Ça vient de Jardin Privé. Voilà, donc ça c'est pareil, hein, c'est une créatrice française qui fait tous les ans des salles de broderie météo. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, c'est trop beau. Mais j'ai choisi celui de l'année dernière. Voilà, donc on a juste un petit peu à arranger un petit peu. Bon, ça va être un peu la dernière fleur qu'on devra changer un peu. Changer la date, donc là c'est 2022, nous on brode 2023. Sinon, dans le reste, voilà, c'est pareil. Alors, je vous montre le dessin. Voilà. Alors, une fleur correspond à une semaine et chaque pétale correspond à un jour. Donc, tous les jours, il faut. Alors, bon, là on a tout le mois de janvier à rattraper, hein, puisqu'on commence normalement à partir du 1er janvier. Chaque jour, on va broder un pétale à la couleur de la température qu'il fait ce jour-là. C'est exactement le même système que la couverture météo que l'on est en train de faire. Et donc, c'est pour ça, comme nous, on a déjà nos températures de listées pour la couverture. Bon, ben là, on n'a plus besoin de chercher, sauf celles qui viennent de commencer.
Mais il y a des sites internet où on retrouve les météos des jours d'avant ou même des années d'avant. Donc voilà. Donc il va se faire sur un an. Voilà. Bon, là, le plus dur, c'est maintenant, c'est de rattraper le mois de janvier, de broder tout le mois de janvier. Mais tout le mois de janvier, ça nous fait 4 fleurs. Hein. Donc ça va aller vite. Hein. Voilà. Donc là, moi, j'en suis ici. Voilà. Donc j'ai fait le 2023 et je suis en train de faire la brouette. Voilà. Mais je l'ai commencé qu'hier soir. Hein, et puis j'ai fait un peu ce soir. Donc je vais me rattraper un peu. Alors moi j'ai faufilé en rouge toute ma toile pour savoir où commencer. Et si vous pouvez voir, voyez, c'est la toile que je vous ai présentée cette semaine. Donc c'est une étamine irisée blanche. Donc à paillettes, ça va être beau. Je savais pas en quoi en faire. Vous vous rappelez dans la vidéo? Et ben voilà, je vais trouver. Je fais ma broderie météo dedans. Donc je vous montrerai un petit peu au fur et à mesure, bien sûr, les avancées de toutes ces toiles. Alors, je crois que je vous ai montré. Tout ce que j'avais en cours, c'est déjà pas mal. Hein. Bon, alors par contre, j'ai fait avec mes anneaux, mais ça va pas. J'ai tous mes fils qui s'en vont. Où je trouve, je vais mettre tout dans une boîte. Les petites boîtes, ça va aller mieux. Alors, ça, hop, je le range ici. Prochain projet. Alors, il est là. Quand j'aurai terminé. Ah, j'ai oublié de remettre ça. Je remettrai après. Quand j'aurai terminé le gnome, je vais faire une autre broderie. Toujours de la créatrice Mia. C'est ce joli petit écureuil qui fait dodo. Voilà. Avec la phrase en bas, Cozy Christmas. Bon, je ne suis pas sûre de faire la phrase, par contre. Je ferai peut-être que le dessin et je ne mettrai pas la phrase. Je pense peut-être pas. Alors, par contre, j'ai peut-être envie de rajouter des perles. Vous voyez, dans les petites baies. Je mettrai peut-être des perles. Bon, on verra le moment venu. Et donc, celui-là, alors, je prends... Il est là. Donc, toujours en promo aussi, celui-là. Je cherche des explications sur ce... Ah, voilà, description de l'article. Elle va faire environ, suivant la taille. Là, c'est pour un 14CT, par exemple, pour une Aïda 14CT. 19,4 sur 16,5. Voilà, mais moi elle sera plus petite puisque je la fais sur une étamine. Alors je ne sais plus celle-là si c'est la 12, je crois que c'est la 12,6. Et c'est la verte que je vous avais montrée. Bon, bah, la couleur, vous la voyez toujours pas très très top. Hein. Mais quand je ferai des photos à ce moment-là, vous verrez mieux. C'est un vert amande. Donc bon, bien sûr. Hein, j'ai de quoi faire plusieurs écureuils. Hein. Mais je ferai d'autres choses avec le reste de la toile. Voilà. Donc ça, c'est prévu. Là, il faut que je prépare mes fils. Donc ça, je vous ferai une vidéo là-dessus. La préparation de mes fils pour mes différents ouvrages que je ferai par la suite. Donc ça, il y a déjà la toile, le dessin. Le PDF, je ne l'imprime pas, je le laisse dans ma tablette avec mon Pattern Keeper. Voilà. Donc ça, c'est pour faire. Ça, non, je voulais montrer ça aussi. Ça, ben, je continue de les faire. C'est la fleur du mois. Donc ça, c'est celle du mois de février. C'est un Myosotis. Voilà. Donc là, j'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Je serai à la moitié, il m'en restera 6 à faire. Voilà. Donc ça, par contre, je les continue. C'est de l'estamper, mais je continue de les faire. Ça, je ne vais pas les arrêter. Sinon, ça ferait plutôt bête, parce que là, moi, elles sont au mur. Hein. Vous voyez, donc c'est tout petit. Hein. Voilà, c'est du 14 CT. Tout petit, ça va vite à faire. Si je ne fais que ça, en 3 jours, 3-4 jours, c'est fait. Alors, hop, je l'ai mis dans l'ordre, hein, parce que sinon... ensuite... Ah oui, alors ça, j'ai pas encore mis la toile. Mais il faut que j'essaie de la broder assez vite. Mais je pense pas que je vais y arriver. Parce que je voulais le faire pour la Saint-Valentin. Mais bon, on est déjà le 1er février. Ça fait just. Bon, c'est une toute petite broderie. Mais du coup, je pense que je la ferai plutôt pour son anniversaire. On verra. C'est au mois de mars. Donc, c'est le mois prochain, dans un mois et demi. Donc, on verra. Mais voilà, je vais broder ça pour mon chouchou. Alors, c'est une créatrice ukrainienne qui s'appelle Svetlana Sichkar. Voilà, le nom est marqué juste en haut. Voilà. Alors, elle fait aussi des choses. Ah oh là 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 là. Vraiment superbe. Elle est là. Alors, ça va vous dire quelque chose. Je vais vous montrer une image et vous allez dire ah mais oui, je l'ai déjà vu ça sur les sites chinois. Voilà. Ça vous dit quelque chose, hein? Alors il y a le petit écureuil. D'ailleurs, il y a Angèle qui est en train de faire en ce moment les petits bonheurs d'Angèle. Je vous mettrai le lien de sa chaîne. Alors, ça. Bon, voilà. Ben, c'est d'elle aussi. Ça vous dit quelque chose? Ben celui-là aussi. Je crois qu'on lui a tout volé à elle. Ou alors ils les ont vendus aux boutiques chinoises, mais j'en suis pas sûre. Voilà. Parce que si les créatrices les auraient vendus au site chinois, elles auraient, je pense, exigé que la qualité soit quand même beaucoup mieux. Et voilà, et puis il y en a plein comme ça, ben. Regardez, le renard avec son pull. Celui-là aussi, vous l'avez déjà vu. La belette. Oui. Ils sont tous... Ah, ben, le lapin également. Voilà. Mais bon, chez elle, je vais reprendre des choses parce que je vous mettrai le lien de sa boutique Etsy également. J'adore ces petits lapins comme ça, là. Regardez. Sont trop trop choux, j'adore. J'adore. Donc oui, alors je vous ai montré le pingouin, les pingouins avec le love. Donc c'est une broderie qui se fera environ pareil, suivant la toile que je prendrai, 14-33 sur 14-15. Voilà, donc c'est petit, c'est quand même. C'est pas un truc qui va être très long à faire, mais voilà. Déjà, il faut que je ne sais pas quelle toile je vais mettre. Il faut que je regarde si j'ai toutes les couleurs pour le faire. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Hein. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 15, 16, 17, 18. Ah si, quand même, 18. Ouais, 18. 19. 19. Bon, je vois qu'il y a des couleurs que j'ai déjà. Donc, c'est pareil, je vais les préparer
les mettre dedans. Mais ah oui, il y a quand même 19 couleurs pour un tout petit truc comme ça. Ensuite, toujours de la même créatrice, donc Svetlana. J'ai craqué. Je l'ai vu, je l'ai trouvé trop mignon. Et pourtant, j'ai horreur des souris. Mais bon, les vraies vivantes, je les aime pas. Mais celle-là, regardez-moi comme elle est choupinou. Mais je suis pas sûre que c'est une souris. C'est la même, je crois que c'est la même famille, mais que comment ça, pas des petits mulots, c'est, oh, je sais plus le nom, mais voilà, bon, ça ressemble. Alors pareil, là ça fait, c'est un peu plus grand, 18,32 sur 16,51 en centimètres, hein. Donc bon, c'est pareil, et je crois. Alors, par contre, avec ces créatrices-là, la broderie, il y a du fil mélangé également. C'est-à-dire qu'on met deux brins de fil, mais de deux couleurs différentes. Ça fait très joli. Pas pour toutes les couleurs, hein, mais pour certaines. Et elle, pareil. Oh oui, il y a beaucoup de couleurs aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33 couleurs pour un petit truc comme ça. Alors pour vous dire le détail qu'il va y avoir à faire, de toute façon on voit avec tous les petits reflets qu'il y a dans les couleurs. Mais ensuite, oui, j'ai prévu plein de choses. alors, je vais mettre ça. Je remettrai bien dans l'ordre après. Alors, là, j'en ai pris qu'une pour l'instant, oui. C'est de Barbara Anna. Voilà. Alors, elle, pareil, elle fait des choses super belles. Donc là, c'est... c'est le chapelier fou de Alice au Pays des Merveilles, mais en féminin. Voilà, elle l'a mis en femme. Et est-ce que j'ai quelqu'un? Attendez. Est-ce que j'ai quelque chose? Où est-ce que j'ai mis? Je vais regarder dans mes achats, ça ira plus vite. Pareil, sur ah non, ça je l'ai pas eu sur Etsy. Non, 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 bah non, j'ai pas eu sur Etsy. Est-ce que je l'ai mis là, là? Oui, ça va. Alors, la boutique, là, ça. Alors, vous allez les trouver sur Etsy. Vous allez les trouver sur des autres sites aussi. Mais au double du prix. J'ai vu sur Etsy, c'est vendu 13 euros. Et moi, je l'ai acheté donc sur le site où il y a toutes les créations de Barbara Anna et de d'autres créateurs. C'est le site s'appelle creativepoppy.com. N'hésitez pas à aller voir, c'est une mine de merveilles. Voilà. Donc c'est pas en promo, hein, c'est pas soldé, rien du tout. Je l'ai eu à 6,99 €. Donc la moitié du prix. Mais c'est trop trop beau. Alors, ça s'appelle le rêve de la chapelière. Voilà. Voilà, donc c'est la version rêveuse et féminine du chapelier fou, un personnage haut en couleur qu'Alice rencontre dans le pays des merveilles, imaginé par Lewis Carroll. Je cherchais... Alors, c'est 110 points sur 116. Si vous faites ça sur une toile de lin Zegard 10 fils, comme sur le modèle là, ça vous fait 23,5 sur 24,5 cm. Voilà. Petite broderie sympathique. Par contre, là, pas beaucoup de couleurs. Il y en a 20.
Donc, ça, c'est prévu. Il faut que je prépare la toile, que je rassemble les fils également. Ensuite, pour terminer, je vais prendre les blancs en même temps. Je peux poser ma tablette. Alors, si vous allez sur le site HAED, allez-y, tout est à moitié prix en ce moment. Donc, si vous voulez acheter de l'HAED, allez-y. HAED, c'est comme ma broderie perroquet. Voilà. C'est de la couverture complète. Donc, vous brodez votre toile entièrement, enfin le dessin. Et vous avez différentes tailles hein, par rapport avec une image. Vous pouvez l'avoir en petit, en moyen, en très grand, en extra grand. Vous pouvez avoir des grands, le même en 90 couleurs par exemple, et vous pouvez l'avoir en 237 couleurs. Voilà. N'hésitez pas à fouiller, farfouiller, vous verrez. Alors, celui-là, je vous l'ai peut-être déjà présenté, mais j'ai encore rien fait dessus, hein, bien sûr, parce que j'ai encore rien préparé. Voilà. Alors, elle, j'ai adoré, j'avais craqué dessus parce que là, dans son chapeau, alors attendez, je vais l'enlever du plastique, on verra mieux. Dans son chapeau, il y a des personnages également. Voilà. Donc, c'est prévu d'être commencé. Mais celle-là, elle a 239 couleurs. Donc, il y a de quoi faire. Donc, peut-être que quand je serai pour la faire, je vais dire que je suis folle, mais bon, je rachèterai peut-être un lot de fils chez Amazon. Les 447 couleurs. Mais je verrai. Alors, donc ça, c'est un que j'ai acheté, je ne sais plus quand. C'était en promo aussi quand je l'ai acheté. Et aujourd'hui, donc là j'ai demandé l'avis à Chouchou si ça lui plaisait. D'habitude, je ne demande pas. là je lui ai demandé si ça, il aimait bien. J'en avais choisi un premier, il a fait oh, bon, c'est pas terrible. Bon, ben, pas de souci. Donc j'en ai choisi un autre et celui-là il lui a plu. Bon, c'est pas lui qui va broder. Hein. Non, ça. Je n'arriverai jamais à le faire broder. Voilà, celui que j'ai choisi aujourd'hui. J'ai craqué dessus par rapport aux couleurs, aux formes, un peu enfantin. Voilà. Alors, le créateur, Andy Russell. Voilà. Donc, il y a plein de belles choses aussi hein, sur sa page, là, sur le site HAED. Il fait de très jolies choses. Et donc là, ça va être avec 150 couleurs. Et la taille, c'est 425 points sur 318 points. Et ça fait 1 mètre sur... Non, pas 1 mètre. Je ne sais plus combien ça fait. Il faudrait que je recalcule. Voilà. Alors, il est trop, trop beau. Juste à la fin, j'essaierai de vous remettre toutes les photos de tout ce que je vous ai montré. Donc voilà pour les encours, ceux qui devraient démarrer bientôt. Enfin, quand je dis bientôt, je vais essayer d'abord de bien avancer les autres et de finir tout au moins. Déjà le gnome, je vais finir avant d'en commencer un autre là. Et voilà, oui, j'ai encore des projets. Il est où? Attendez, j'en ai perdu un. J'en ai perdu un. Ben, pourtant, je l'avais. Ah non, il est là. Restez là. Alors, ça, c'est un projet que j'ai, mais que j'ai déjà fait. Je l'ai fait sur une toile de lin rose, un peu marbrée. Fera l'occasion, je la ressors pour vous la montrer. Mais je me suis aperçue qu'il y avait plein d'erreurs.
Donc j'ai dit stop, on abandonne. Et pourtant, la broderie est vraiment beaucoup, elle est vraiment bien, bien, bien avancée. Mais là, je me suis dit non, il y a trop d'erreurs. Je referai sur une nouvelle toile, pas tout de suite. Mais bon, quand je serai pour la faire, j'attendrai d'avoir fini d'abord l'autre lily-point parce que c'est une lily-point également. Alors, j'ai fait plein d'erreurs dans le lait, dans le verre de lait et dans la fraise. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, mais bon, voilà. Je vais le refaire. Et puis, mais quand j'aurai fini mon jus de carotte, je ferai le lait fraise. J'en ai plein de lily-points. J'ai la confiture de Noël, j'ai chocolat, le café, le thé. Alors le thé, c'est pareil. Je l'avais super bien, bien, bien avancé. Il n'y avait plus grand-chose à faire, mais il est bourré d'erreurs. Je ne sais pas. Mais c'est des toiles de lin. Et c'est ça que je disais l'autre jour. Moi, le lin, ce n'est pas ma toile préférée. Donc, quand je serai pour le refaire, je ferai soit sur une aïda fine ou soit sur une étamine, mais pas sur du lin. Je crois que c'est ça qui me plante à chaque fois. Et alors, celle-là, je ne sais pas quand est-ce que je la ferai, mais j'ai toujours dit que je la ferai. Ça fait longtemps que j'ai cette grille, très, très, très longtemps, ça fait pas 10 ans au moins. C'est une Mirabilia. Voilà. Fred, si tu passes par là. c'est The Rose of Sharon. Voilà. Fait par Nora Corbett, bien sûr. Alors, celui-là, il est bien parce qu'il n'y a pas. Normalement, il n'y a pas de perles. Moi, ça ne me gêne pas hein, qu'il y ait des perles. Mais je ne pense pas. Mais. Alors, Backstitch, backstitch. Ouais, non, il n'y a pas de. Il parle pas de perles. Il parle que de fil DMC pour les croix et le point arrière. Voilà. Donc, alors, celle-là, vous n'arrivez plus à la trouver. L'autre jour, je regardais et on ne la trouve plus, celle-là. Et pourtant, j'ai même regardé sur Casa Senina. Et il n'y a pas non plus. Donc celle-là, on la trouve plus. Donc elle vaut cher maintenant quand on ne trouve plus. Donc voilà, ça c'est encore deux projets. Et j'ai acheté cette semaine à mon marchand de journaux voilà, le nouveau création point de croix. Il y a de belles choses dedans. Il y a des choses qui me font envie. Donc je verrai. Bon, je vous montre pas les grilles. Hein. Bon, il y a une ou deux choses que j'aime pas du tout, mais ça c'est pas grave. Voilà. Y a des petites choses comme ça. Alors, je suis en train de regarder. Il est où? Bon, ça c'est les grilles. Je peux pas vous les montrer. Alors vous avez les belles dames comme ça. Voyez. Mais bon, c'est joli, hein. Mais c'est pas trop mon style. Alors après, ça non. Là, il y a un abécédaire. C'est dans le thème de l'hiver avec des enfants. Mais là, la photo, elle n'est pas top, top, top pour bien voir. Voilà. Ça aussi, c'est Fred, elle aime bien ça. Voilà ce que j'aimerais m'amuser à faire, donc ça je le ferai un petit peu à la fois si je le fais. C'est cette petite vitrine, je l'aime beaucoup. Alors je sais déjà comment trouver la vitrine, faut que je mesure, mais avec vous savez, mes petits bébés saison. J'ai fait des cadres d'action en 3D, les cadres 3D.
Et que j'ai décoré, j'avais mis des fleurs, j'avais mis des petites bûchettes, tout ça. Et je me demande si ces cadres-là n'iraient pas pour faire cette petite vitrine. Il faut que je mesure, que je regarde. Et dans ce cas-là, je ferai dans une petite un petit cadre comme ça. Bon, je suis pas obligée de mettre exactement comme ça non plus, hein. Donc, où est-ce qu'ils mettent la taille? La taille des motifs, ce qu'il me faut. Bon, ça, c'est les ficelles, les toiles. Et parce qu'il y a beaucoup de choses qui disent qu'il faut acheter ailleurs, mais bon, on peut s'arranger de faire soi-même des trucs, hein. Bon, les bobines en bois, j'en ai. Il suffit que je les teins parce qu'elles sont en bois clair. Je les reteins pour les refaire en bois foncé. Du ruban, j'en ai. Voilà. Mini pince à linge, j'en ai aussi. Miniature de ciseaux, j'en ai. Miniature de fer à repasser, je crois que j'en ai un. Ouais, bon, moi, ce qui m'inquiète, ce que je veux, c'est le cadre. Une page de journal de broderie ancienne. Ou une vieille dentelle, ben, j'ai les deux, donc c'est bien. Ah voilà, alors le cadre en trouve chez Leroy Merlin, ce cadre là c'est le cadre vitrine Milo Case Inspire. Ah ben, j'étais à Leroy Merlin hier, c'est bête, j'aurais dû regarder avant. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, il y a des belles choses. Il y a ça aussi que j'aime bien, avec un thermomètre. C'est joli. Voilà. Donc, il y a des belles choses dedans aussi. Ensuite. Je vais vous tourner un petit peu. Voilà. Donc là, bah, vous avez une partie de ma collection des aimants à aiguilles. Mon petit bocal, voilà, du fil des lumières. Je vais bientôt mettre la vidéo du mois de janvier. Hop là, j'ai un fil de mon gnome qui se promène. Je vais te mettre là. Ici, j'ai une boîte, alors que j'avais fait moi-même. Et dedans, il y a tous les fils teintés à la main de Sabine, de la boutique Poussière d'étoiles. Donc j'ai tous ces fils. Et j'ai les fils aussi de comment ça s'appelle? Fil à Soso. Je crois que c'est ça. Est-ce qu'elle a marqué son nom? Ouais, le fil à Soso. Voyez. Donc je les ai pas encore utilisés, ni l'un ni l'autre. Mais je les utiliserai. Hein. Et donc ça, c'est une boîte que moi j'avais faite en cartonnage avec Hello Kitty. Alors ici. Bon, ça c'est mon livre. J'ai du mal à lire. J'arrive pas à me mettre dans mon livre. Toujours du mal. Mais là, en ce moment, c'est ça. Les sept sœurs. Alors il y a sept tomes, je crois, en plus. Donc j'en suis qu'au premier. J'ai pas lu grand-chose. Ça fait déjà 3 mois, ouais, 3 mois que je lis les livres. C'est honteux. Ça, bah, c'est bon, c'est un peu fouillis là. C'est pas bien. C'est les fils pour mon gnome. Là, c'est une petite réserve de fils. Hop. DMC, alors que j'ai mis dans une mini commode à maquillage de chez Action. Vous voyez? Donc il y a des, c'est tout des DMC normalement, sauf ouais, le deuxième tiroir, c'est des As. Voilà, la marque ACE. Je sais plus pourquoi j'avais eu ça. Ah si, c'était pour faire une petite souris. Mais j'ai revendu la grille, donc je l'ai plus.
Ça fait un moment. Hein. Et là, j'avais fait. C'est des canettes de machine à coudre. Voilà. Et j'ai collé un aimant en dessous pour mettre sur les broderies quand justement je faisais du. Comment? Du parking. C'était pour enrouler mes fils sur la toile pour pas que ça s'en mêle. C'est une bonne idée. Hein? Et là, c'est du DMC. Oui. J'ai du variation. Voilà, il y a un peu de tout. Il y a du variation. Il y a... Alors, cela, c'est. Mais j'ai plus les références. Donc, je les garde si je veux faire un truc à part. Mais vous voyez, j'ai des variations comme ça. Voilà. Et en bas, bah c'est le fil pour faire mon sampler. Et j'ai une réserve de fil pour un sale que il est pas là, il est rangé, que j'ai commencé il y a déjà un petit moment, mais qui pour l'instant est à l'abandon, mais je le reprendrai un jour. Hop. Et ici, alors pareil, celles qui me connaissent vont savoir, c'est une commode que j'ai fabriquée moi-même, pareil en cartonnage. J'ai fait ça il y a 3 ans, 3-4 ans peut-être, je ne sais plus. Et dedans, voilà, j'ai commencé à y mettre mes fils DMC, oui, mes fils Amazon, voilà. Donc, j'ai pas fini de bobiner. Alors là, pour l'instant, il y a 2-3 tiroirs de fait. C'est beau, hein, comme ça. Voilà. Là, non, ouais, là, il est pas en entier. Là, il est commencé. J'ose pas trop le pencher parce qu'après tout va tomber. Et du coup, il me reste tout ça à bobiner encore. Et hop, il y en a toi. Et tout ça. J'ai encore du taf. Hop. Mais ça, je l'ai fait un petit peu à la fois en regardant la télé. Voilà. Du coup, tous mes fils Amazon sont dans ma commode. Voilà. En dessous, bon là, je vais pas pouvoir tout vous ouvrir parce qu'il y a le chien qui dort devant. Alors attendez, je vous repenche. Voilà. Là en dessous, ça y est, c'est des livres de tricot. Donc ça n'a rien à voir. Mais ici. J'ai encore une réserve de fil. Voilà. Okay. C'est les fils que j'ai dans les partenariats. Donc j'en ai plusieurs. Là-bas, je n'aimerais pas le prendre. Mais tout au fond, j'ai une grande boîte avec des bobinettes. Et c'est tous les fils de chez Action. Voilà. Donc ils sont tous bobinés également. Attends, je vais quand même essayer de la prendre parce que je ne veux pas réfléchir. Bon, ça, c'est des petites bricoles. Là, ah, j'ai encore une là. Ah oui, là, il y a un peu de tout. C'est du DMC, mais un peu mélangé. Il y a de tout. Ben justement, j'ai encore mes fils pour faire le thé de Lily Point. Le sale dont je viens de vous parler. La fraise, voilà, j'ai les fils pour faire la fraise. Après, j'ai les fils où j'ai plus les références. Là, c'est un peu ma boîte bric-à-brac de fils. Et du coup, alors, vous voyez, tout ça, c'est là, j'ai tout ça, c'est à trier pour ça. Non, je crois que c'est encore de l'Amazon.
Ouais, je crois que c'est de l'Amazon celui-là. À trier et à voir dans quelle broderie je peux les mettre. J'ai aussi mes fils à broder Bergère de France que je vous avais montré. Alors, ceux-là vont me servir pour. Je vais m'en servir sur une création de Sabine, de poussière d'étoiles, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Mais malheureusement, je ne l'ai pas imprimée. Donc, je ne peux pas vous la montrer. Je vous mettrai la photo. Voilà. Commence à y en avoir partout. Alors, ça, je m'en suis servi d'un. Mais alors, je les avais eu gratuits dans une revue de broderie, un truc comme ça. C'est de la vraie cochonnerie. Je sais même pas ce que je vais en faire. Je peux pas broder avec ça. C'est pas possible. Je m'en suis servi du rouge, ben justement pour délimiter ma toile pour la broderie météo. Et le fil s'use tout seul sur l'aiguille et se casse. La vraie cochonnerie. Je sais pas ce que je vais en faire. Peux même pas donner à mes petites filles par exemple pour faire des bracelets parce que ça va pas tenir. Et donc voilà les fils de chez Action. Alors je les ai achetés, je les ai encore jamais utilisés. Alors, je vais essayer de vous montrer ça sans rien faire tomber. Voilà. Donc pareil, hein, je m'en servirai. Hein, je vais voir ce que je vais faire avec. Donc voilà pour mes fils, il y a de quoi faire. Bon, je rangerai tout ça après, je mets juste là. Alors là en dessous, je ne peux pas vous l'ouvrir, mais en dessous, il y a mes toiles, donc mes nouvelles toiles que j'ai achetées, des chutes d'anciennes toiles également. Et mes trifiles en plastique que vous avez déjà vu dans mes unboxings. Voilà. Bah écoutez, je crois avoir fait le tour pour l'instant. Si j'ai oublié des choses, de toute façon, je vous les remontrerai au prochain Froustube. Il faut que maintenant, je ferai ça la semaine, que je trie une tour que j'ai là-bas où il y a plein de choses aussi de broderie. Donc tout ça, je vous montrerai bah, quand j'aurai rangé. Je vous montrerai ça au prochain Froustube. Je pense avoir, ouais, je pense que je vous ai tout montré. Mes projets en cours. Bon, il n'y a pas de fini encore. Hein. Les finis sont là. Alors, bah, les finis, vous les avez déjà vus. Alors, attendez. Que je vous bouge. Vous voyez, hop là. Là. Vous êtes là. Voilà. Toute cette ligne-là, c'est les fleurs du mois. Voilà. Et. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, juste au-dessus de la télé, les quatre cadres, c'est pas facile à dire, hein. Pareil, c'est les derniers bébés saison que j'avais terminés. Voilà. Oui, c'est qui veut être mon associé à la télé? Donc voilà, bah écoutez, ça fait déjà une bonne vidéo. On est bientôt à 1h15 de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis au prochain Froustube, je vous montrerai d'autres choses. Je vous montrerai des broderies que j'ai faites il y a longtemps. Je pense déjà vous les avoir montrées, hein, mais je ne suis pas sûre. C'est rien, pour ceux qui ne les auront pas vues, je vous montrerai donc les broderies que j'ai faites il y a quelques années. Les broderies qui sont terminées aussi mais qui doivent être encadrées, donc je vous montrerai tout ça au prochain Froustube. Il faut en laisser pour la prochaine fois hein, sinon j'aurai plus rien à vous montrer. Là je vous laisse pour aujourd'hui, il commence à se faire tard, il est déjà plus de 23 heures. Oh. Et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et j'essaye de vous faire un diapo photo juste à la fin. Voilà, j'espère qu'il y sera, que j'aurai pu le faire. Et
en barre d'infos, j'essaie aussi de vous mettre tous les liens de tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Dites-moi en même temps si vous voulez voir d'autres Floustube. Bon, j'en ferai pas toutes les semaines. Hein. Floustube, ce sera plutôt un par mois. Donc, dites-moi si ça vous plaît, ce que vous en pensez. Si jamais il y a des choses que vous voulez voir, dites-le moi aussi dans les Floustube. Hein. Donc, c'est juste seulement la broderie. Dites-moi tout. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.